arrive habituellement quand je suis en mouvement, c'est-à-dire quand je suis dans une auto, quand je suis dans un avion, quand je suis dans un train. Tous mes films sont nés alors que j'étais dans un mode de transport. J'ai toujours un rapport au temps très difficile. Le temps est unidimensionnel, unidirectionnel, puis il se filme pas, tandis que l'espace, lui, est infini. On peut se déplacer dans l'espace, puis on peut le filmer. Personnellement, le temps m'intéresse moins que l'espace, parce que le temps, c'est mon ennemi. Puis surtout sur un plateau de tournage où il en manque toujours. Pour moi, l'imagination cinématographique, c'est la rencontre entre ce qui est possible, mais improbable. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, pas de temps mort. Les films avancent comme des trains dans la nuit. Et des gens comme moi, on fait des films pour être heureux. On fait du cinéma pour être heureux.